Yo les amis, c'est RNO95. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Deadly Rising 3 sur toujours sur Xbox One. Et là on doit emmener Annie jusqu'à l'avion. Allez, c'est parti mon kiki. Déjà on va retrouver Annie qui est en train de se faire bouffer par les zombies. Allez Annie. Ah bah elle était derrière moi. Alors là on avait dit On va mettre un point de repère ici. Pourquoi j'ai mis un point de repère? C'est tout simple, c'est au bout de la rue. Non, non. Ah, putain. Dégagez. Elle est passée où la moto? Elle est là. Ah, j'ai retrouvé mon épée. Allez, Annie, grimpe. Allez, on se casse. J'ai trop de monnaie ici. On va prendre le métro. Oh, moi je suis content, moi je blague pas, moi je prends le métro en moto moi. Elle est passée où ma moto? Elle est là. Annie, grimpe. Allez, allez, allez. Je sens que la moto là commence à fatiguer. Je suis bientôt arrivé. On va prendre par la gauche. Ah. Ah. Sérieux? Lâche-moi toi. Oh, les zombies autour de Tania, tant pis pour elle. Elle va se débrouiller. Ok, donc là, il faut pas rouler trop vite en fait, sinon on est cuit. La voiture. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Je peux me les faire. Allez, Annie. Ça, tu fous quoi, Annie? Grimpe. Hey, si jamais on s'en sort vivant, on va s'en sortir vivant. Je le disais qu'on pourrait sortir ensemble. Ah, ça, non, on se met ensemble tout de suite. Tu vas pas par quatre chemins, toi, dis donc. Regarde autour de toi. Heureusement que j'ai passé le test de crash, parce que sinon, là, j'ai été mal barré. Oh, le beau miroir, j'ai rien à foutre. Y'a pas un peu de vie là? Dans les salles poubelles peut-être? Bon, non. Bon, allez. Tu vas bien? Ouais, c'est juste que ça me rappelle de mauvais souvenirs, mais où sont tous les autres? Ah, enfin. Est-ce que tout va bien? Où sont les autres? Je croyais qu'ils étaient avec vous. Non, Red, on peut pas les laisser. Pas après tout ça. Mais on peut... C'est bon. Il me reste un dernier endroit à vérifier, d'accord? Est-ce que le réservoir est plein? Vous êtes prêts? Ouais. Très bien. Maintenant, on ne sacrifie plus personne, d'accord? Compris? Alors soyez prêts à mon retour. Nick, c'est comme ça qu'on vous appelle. On doit y aller. Une minute. Vous êtes Isabella Keyes?
Il y a des rumeurs sur vous. Non, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Fini les mystères, allez. Votre gouvernement a construit un labo près de mon village. Tout ça pour faire du bétail plus gros et pour engraisser votre pays. Et avec ce labo, sont venus des soldats de l'armée américaine. Ils ont fait comme tous les jeunes hommes. Ils ont semé leurs graines. Et puis quand le docteur Barnaby a découvert les abeilles, eh bien... les zombies sont apparus. Et votre gouvernement a tué la plupart des survivants pour que personne ne parle. C'est comme ça qu'on se dit qu'il valait mieux renvoyer les enfants dans le pays qui avait permis de les créer. Des bombes à retardement, comme votre ami Diego. Mais il n'avait pas l'intention de créer une force inarrêtable. Il a donc choisi d'immuniser l'un des orphelins. C'est pas vrai, Nick. Et c'est vous, Nick. Vous êtes la petite lueur d'espoir créée par Carlito. Moi ? Alors c'est toi qu'on attendait. Tu pourrais guérir. Le docteur Malone veut le remède. Elle ferait tout pour l'avoir. Elle est à votre recherche. Il faut y aller. Bon. Je sais qu'il ressemble à rien, mais... il faut qu'on tente notre chance. Nick ! Annie ! Venez par ici ! Ok, c'est raide. Faut récupérer tout le monde. Nick, je vous en prie. Red ? Allez les gars, maniez-vous ! J'ai besoin d'aide ! Nick, attendez ! Le temps presse ! Annie ! Annie, c'est un piège ! Hé ! Oh ! Bordel ! Fais-nous sortir, Nick ! Nick, Nick, allez, à l'aide ! Hé ! Nick ! Non ! Annie ! Nick ! C'est un très beau tatouage, numéro 12. Qu'est-ce que tu fous ? Ouh, tu sais ce qu'il veut dire ? 5 millions de dollars pour Red. On dirait que t'as vite abandonné ta famille ! Allez, Nick. Je te l'ai dit, je suis réaliste. J'en ai marre de vivre comme un paria ! Quand j'ai vu ce prospectus, j'ai compris que c'était une chance de mettre la main sur 5 millions de dollars. Et qu'elle se représenterait jamais ! Alors devine quoi ? Je détiens tes amis ! Toi, t'es mon chèque de 5 millions de dollars. Qu'est-ce que tu dirais de faire un échange ? Je vais t'étriper avec mes propres mains, espèce de sale ordure ! J'aimerais bien voir ça ! Fais-nous sortir de là, Nick ! Nick, à l'aide ! Bon bah, on va aller buter Red. Mais... déjà, est-ce que j'ai un peu de vie ? Parce que là... on va dire que je suis bien dans la merde. Oh, dodge. Ah, calme-toi, Red. Laisse-moi reprendre un peu de vie. Oh, faudes. Encore un peu plus de vie, ça va bien. On va éviter de s'aventurer par là. Je vais me défoncer.
va dire que je suis parti avec un handicap et j'ai toujours l'handicap. C'est vraiment pas juste ça. Dégage-toi. Non. Oui, dégage. Ah ma gueule. Ah. Oh. Je me suis assommé avec le conteneur. Fais chier. Je vais repartir avec la santé faible. Je le sens bien comme ça. Tu vas bien? Oui, ça, oui, tu vas bien, oui. On l'a fait, ça aussi, on l'a vu. Et je repars avec la vie faible. Alors, un peu de vie. On avait dit, non, pas par là. T'es vraiment un enculé, Red. Et il y a les autres qui arrivent pour ranger le tout. Allez, encore mort. Deux dead d'affilée. Je sens que ça va être chaud. Vu que je suis parti avec un handicap, bah l'handicap me poursuit. Mais bon, on fait chier quand même. Moi, j'ai rien demandé. Des bonbons. Le dog. Le café. Oh, déjà, ça fait du bien. Putain, sérieux les mecs, lâchez-moi. Je vous ai rien fait, moi. Come on.
d'une tomate. Bon. Là, je t'ai bien soigné. Bon. On fait quoi? Dégage-toi. Ah, c'est lui. Ta gueule. Voilà, ça va être utile. On va prendre une miche de pain au cas où pour se soigner. Allez. Non, c'est pas là. Trompette passage. Paranoïa, au revoir. Le héros. Allez. Go. Toi, tu viens avec moi. La famille d'abord, hein? Non, je suis tout seul, Nick. Tout comme toi. Non, t'es pas comme moi. Garde pas mon fric trop longtemps! Qu'est-ce que t'as fait de tes idéaux? Espèce d'enfuir! C'est fini! Non, fais chier! Allez, mon trésor! Laisse-toi faire! Ne lutte pas! Tu t'en tireras pas! T'as aucune chance de t'en sortir, mais... Je vais perdre ma patience! T'iras nulle part, Red! Le mec il résiste au bazooka. Il faut que je lui explique son truc. Tu gagneras pas. Je suis dit.
Arrête ton petit jeu. Laisse tomber. Ah, j'ai pas réussi à le choper. Le dégage. Tiens, enculé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Red? Tout le monde réussit à obtenir ce qu'il veut. Tout le monde a son heure de gloire. Et je voulais que ce soit mon heure! T'avais raison pour un truc. Quoi? Ton heure est venue. Sauvé par Annie. Nick! Annie, tu vas bien? Ouais. Bon sang, il vous faut des renforts! C'est la voix d'Emlock. Parlez plus fort, c'est à peine si je vous entends. Vous avez retrouvé l'orphelin? Négatif, chef. Ils sont encerclés. Donnez-nous un peu de temps pour faire le ménage. Très bien. Je vous laisse un jour de plus. Malone sera ravi d'avoir plus de temps. Mais notre travail ici n'est pas encore tout à fait terminé. Le mien non plus. Ou le bisou de la fin. Katie! Katie! C'est pas vrai. Papa? Chérie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Papa, je suis désolée. Ketian Green, où étais-tu? Je suis devenu fou quand tu es parti. Ben, c'est trop mignon, non? J'adore quand tout finit bien. Papa, pardonne-moi. J'ai vu ce que ça te faisait, le fait que je sois pas pucée et qu'il faille toujours me trouver du Zombrex. Cette drogue détruit les gens. Je voulais plus être un poids pour toi. Tu n'as jamais été un poids, ma chérie. Ce n'est pas ta faute ce qui m'est arrivé. C'est moi qui suis un poids, Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Ça fait si longtemps que je te cherche. Vous êtes le type pour qui bosse Gary. Annie partira pas avec un truand. Je me fous que ce soit votre fille. Elle vous appartient pas. Ça va faire 2 ans que je cherche ma fille. Et maintenant, il y a une épidémie de zombies, comme celle qui a tué sa mère. Vous ne savez pas ce que c'est. Qui c'est celui-là? Nick Ramos. Et vous êtes? Chuck Green. C'est bon, tout va bien. Papa, comment t'as fait pour me trouver? J'ai trouvé Gary. Il a entendu où tu allais. Je voulais le tuer pour t'avoir laissé partir. Mais je n'avais jamais vu ce gros tas aussi content. Ça fait un bail, Chuck Green. Isabella Keyes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Votre visage? Malone a toujours été jalouse de moi. Au moins, je peux toujours marcher. Il est absolument primordial de mettre cet homme en sécurité immédiatement. Quoi, ce petit gringalet? C'est une blague, non? Il détient à l'intérieur de son corps le remède, le traitement contre le parasite. Allez, on doit atteindre l'avion, on a peu de temps. Ok, allons-y. Elle est bien tactile, quand même, Isabelle. Allez, on va partir en avion. C'est ça, bien. On rentre tous dans l'avion. Gary et moi, on reste. Quoi? On va essayer de rassembler tous les survivants et de les sortir de là en camion. Et on trouvera un moyen. Je peux pas vous laisser. C'est toi le plus important, Nick. Surtout, n'oublie jamais que t'as une famille ici. D'accord? C'est bon, allez, dépêche-toi, fous le camp d'ici! Est-ce que l'un d'entre vous s'est piloté, au moins?
Je crois qu'on va devoir faire avec ce qu'on a. La chance. Attachez vos ceintures. Chapitre 7 terminé. Le chapitre 8 vient de se débloquer. On va continuer. On va enfin se tirer de là. Chef, Général Hemlock, chef. Sachez que l'heure de la récolte est imminente. La résistance sera minime. L'heure de la récolte? On ne commencera pas la destruction de la ville tant que l'extraction ne sera pas terminée. C'est Hemlock. L'arme de destruction massive, la plus redoutable de l'humanité, est presque entre nos mains. Décollez, Nick. C'est pas le moment de se dégonfler, mon vieux. Hemlock trafique quelque chose, il récolte des trucs. Mais qu'est-ce que ce type peut bien chercher? La substance produite par les rois zombies pourrait être très puissante si elle était récupérée ou synthétisée. Nous devons y aller. Mais on peut pas le laisser faire! On va bientôt trouver un traitement pour soigner votre maladie. Ça ne vous intéresse pas? Vous pigez pas? Un traitement servira peut-être à rien s'il possède un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a commencé. Annie a raison. Un traitement ne sert à rien si on n'arrête pas ça. Nick, non! Papa, qu'est-ce que tu fais? Katie, avant j'étais le type qui réglait les problèmes, pas celui qui les crée. On va lui faire la peau à ce salopard. Nick, papa, donne-moi ça! Allez, je vais monter sur la grue et je vous dirai où il va. Je sais pas trop ce que vous trouve ma fille. Vous voulez m'impressionner? C'est l'occasion. Bon, c'est sur eux, les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont en bas dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, mettez un pouce bleu, faites de la pub, pourquoi pas. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et je pense que sur la prochaine vidéo, ça va être la fin, je pense. La fin de The Resident 3.